Écoute-moi. Joanne. Joanne est une femme avec un sac banane. Jean-Marie, son mari, est chauffeur de taxi. Joanne est une femme avec un sac banane. Jean-Marie, chauffeur. Son mari est chauffeur de taxi. Et bonjour! Enfin, le mois de juillet là. Donc, toujours plus. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va, nous sommes aujourd'hui dimanche. Je me suis habillée, préparée. Je vais me faire une petite tronche là, me coiffer et tout. Les filles sont réveillées. Malgré le changement d'heure, et ben écoutez, ça s'est pas levé trop tôt, donc ça c'est cool. Là l'idée c'est qu'on s'habille, on va se préparer tous et on va aller dans un vide-grenier. Il y a un vide-grenier à 10 minutes à quart d'heure à peu près de chez Soso et Steven. Et puis après je pense qu'on va peut-être aller se promener sur Segor ou Cap Breton, on verra. Voilà, donc ce que je fais c'est que je vous emmène avec nous, bien entendu. Je sais pas ce qu'on a prévu à midi à manger ou quoi, donc on verra bien, ce sera la surprise. Je sais pas si je me fais mes cheveux ou pas. On va voir. Aujourd'hui, c'est gris, ça se dégage un peu. Il fait pas trop froid, hein. Vraiment pas. Donc voilà, on va en profiter. Il pleut pas pour le moment. Quand on a regardé la météo, ça annonçait de la pluie, mais dans l'après-midi. Donc écoutez, on verra bien. Est-ce que je me ferai pas mes cheveux quand même? Parce que alors là, c'est une catastrophe. Je vous le dis. C'est une catastrophe. C'est pas grave. Je vais prendre les devants. Mon petit haut, moi j'ai pas mis le bon soutif avec. Mon petit haut il vient de chez Promode. Je l'avais trouvé sur Vinted. Je l'avais payé une misère. Et j'aime trop la couleur. Enfin bref. Allez, let's go. On est parti direction le vide-grenier. Et puis après on se balade. De toute façon, je vous emmène avec nous. Comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude. Et cet après-midi, quand on rentrera, on va faire les devoirs avec Calinette. Je vais faire un petit peu d'écriture pour Aria. Romy elle sera à la sieste et avec Soso on doit finir tout ce qui doit sortir la semaine prochaine là. Je vous ai dit, il y a le planning mensuel qui sort la semaine prochaine et on a 2-3 petits trucs en plus, donc voilà, il faut qu'on termine tout ça avec Soso. Voilà, allez, let's go. Bon, je crois qu'on s'est fait un peu arroser là. Ouais, mais jusqu'ici. Et on était là, ici là. On était juste là. Et en fait, voilà, il y a plein d'eau. Il paraît que les bateaux ça tangue. Bon, ben là ça y va. Il y a vraiment des bateaux, des équipages courageux. Parce que franchement, vu la houle là. Bon là ça s'est un tout petit peu calmé juste ici, mais en vrai il y a encore de belles vagues là-bas au fond. Je suis dans le bras de Steven, mais il y a beaucoup d'embruns, j'ai pas envie que l'appareil prenne la flotte. Il y a du vent. Mais il y a mon chien qui... Il y a vraiment de très beaux paysages qu'on aimerait vous partager, des belles vagues comme ça. Ça va les filles? On voit tes cheveux, Aria. Regardez ça.
Titanic. Titanic, Titanic. Non mais c'est pas ça la musique. Je suis le roi du monde. Ah. Je suis le roi du monde. Attention, petit repas. C'est quoi ça? Avocat toast. Avocat toast. Avocado toast. Et ça, c'est croque egg and bacon. Et ça, il y a énormément de choses dans le, là-dedans. Il y a des épinards, il y a du gingembre, il y a de la mangue, il y a du kiwi, il y a plein de trucs bizarres. Mais ça va être super bon. Petite frite de patate douce. C'est super sympa. Avocat, croque, egg, avocat. Ça, c'est les frites patate douce. Et ça, c'est le menu des enfants. Voilà. C'est quoi? Yum yum. Des girouettes, c'est super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards qui en sautant de la main se secouent le bas des rats et font coin coin. À présent claquer le veille en se croire plus avec, avec beaucoup plus d'enfants et des coin coin. C'est la danse des canards, c'est dément et c'est bizarre, c'est terrible comme tout, c'est craque, c'est tout. Avec les gens, un coup, on s'amuse quand on fait tout, et maintenant plier les joues, redresser. Hey! On veut pas que Romy elle dorme. Voilà. C'est extra. Bon, ça y est, on est rentré à la maison. On a mangé à Green Cantine. Green Cantine. C'était très bon. C'était très très bon. Soso et Steven l'avaient déjà fait la semaine dernière, je crois. Alors, ils font des brunchs et ils font plein de trucs comme ça. Doudou s'est pris un brunch, mais il trouvait qu'il manquait des petits trucs dedans quand même. Mais c'était bon. C'était franchement, c'était très très bon. On est allé se promener également. Je pense que je vous ai incrusté des petites images et tout. Donc, on est allé sur Saint-Vincent-de-Tyrosse. Après, on est passé par... Mange pas les crayons, chérie. Par Cap-Breton et après on est allé à Hossegor. Voilà, on s'est bien promené, on n'a pas eu la pluie. Quand on est parti du Vide-Gogne, on s'est dit oh là là, il y avait la pluie et tout. Il y en a qui, il y avait des exposants qui étaient dehors. Et en fait, je pense qu'ils ont eu de la chance parce qu'il y a eu 4 gouttes et après ça s'est arrêté direct, quoi. Voilà, donc là c'est petit en calme cet après-midi, tranquille. On verra si on va se promener après avec Oumé et tout. On verra. J'avais promis. Avec, bah bien sûr, on ne va pas laisser Romy ici, mon chat. Donc voilà, là, c'est petit en calme. Kali, elle a fait ses devoirs. Donc elle avait... C'est bien fait. Bah c'était, oui, mais après, on les avait fait un petit peu avant les vacances. Donc on a refait, relu des choses. Et puis la poésie, surtout parce qu'à la rentrée, elle a la poésie à réciter. Comment elle s'appelle, l'auteur, l'autrice? Corinne Albo. 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 Voilà, il y a juste l'autrice qu'elle n'arrive pas à retenir. Mais ça va. Parcier, ça va. Oui, mais Corinne Albo. Corinne Albo, c'est pas compliqué. Corinne, tu vas y Albo, arriver. Corinne, c'est vrai que Albo. Karine et Corinne. Moi, je pense que c'est Caro. Bref, donc voilà, les devoirs sont faits. On relira un petit peu là en début de semaine et fin de semaine prochaine. Et puis voilà, ça va aller. Hein, mon petit chat? Ouais. Et là, on est en train de faire donc du coloriage. Voilà, un très très beau mandala. Kali, elle a pris le sien aussi. Hop, je profite. Juste ici. Bah non, bah tu commences. Après, t'es pas obligé de tout le finir. Hein. Tu prends ton temps et tout. Voilà. Aria, elle fait pareil. Elle fait des coloriages. J'avais acheté ça il y a très 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 longtemps. C'est des coloriages anti-stress. Et c'est vrai qu'il y a des beaux dessins dedans, c'est très très beau. Doudou est en train de bosser sur le planning. Là, Soso et Steven, ils sont allés voir les voisins, mais Soso est en train de finir les dessins des plantes. J'essaierai de vous montrer, de vous faire un petit aperçu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, mais ça va être canon, vraiment canon. Et puis c'est bien parce que Soso et Steven, ils ont un frigo standard, la taille, et donc on peut voir au niveau de la taille du planning et tout, et la taille qu'on avait, c'est pas déconnant, donc c'est très très bien. Franchement, on avait un petit peu peur. C'est vrai que nous, on n'a pas un frigo taille standard, on a un frigo américain, donc direct ça fait pas du tout la même taille, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir sur ça, on en a discuté avec Doudou, mais je pense qu'on va relancer des précommandes du volume 1.
du planning repas magnétique. Et on lancera également le planning du mois. Donc le planning du mois, vous allez retrouver donc les cases de lundi jusqu'à dimanche et 5 semaines. Voilà, comme ça au moins, vous pouvez remplir en fait. Il y aura des petites cases dans chaque case et on pourra mettre le numéro. Par exemple, si au mois de... Par exemple, au mois d'octobre, au mois de novembre, le 1er novembre, ça tombe un mercredi, eh bien, vous allez la colonne du mercredi, vous mettez le 1 et après, vous suivez. Vous voyez ce que c'est, voilà. Comme ça, au moins, il est adaptable à tous les mois. Et au niveau des couleurs, on va partir sur les mêmes couleurs que le planning repas, le menu, pour qu'il y ait... pour que ce soit cohérent, quoi. Voilà, et comme ça, pour toutes les personnes qui ont déjà le menu de la semaine, eh ben, ça sera cohérent. Et puis, en plus, je trouve que les couleurs, elles sont assez discrètes. C'est pas trop voyant. Ça se font pas mal à n'importe quelle déco, quoi. Du verre, des plantes, du bois, ça se font à n'importe quelle déco. Voilà. Bon, allez, on avance nos coloriages, là. Ça fait du bien de prendre du temps de colorier comme ça. J'aime trop, moi. J'aime trop faire des coloriages et tout. Même les filles, elles kiffent. De toute façon... Les filles, tout ce qui est manuel et tout, elles adorent. Et je kiffe, moi. Moi, je kiffe. D'ailleurs, je vous en reparlerai, mais je me suis acheté des trucs pour faire de l'aquarelle et tout. Bon, ça, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Il faut être au calme. Ça prend un peu plus de temps, quoi. L'aquarelle... Allez, on continue. Il faut que je regarde, il y a des petits trous où j'ai pas mis de couleur. Attention, attention, attention. 1, 2, 3. Mais bravo Cali! Bravo Cali! Allez, on continue! On râle pas! Là, un sourire! Ouais! Nous sommes dans la voiture sous la pluie! Dans le noir! Non, ça va, il y a la lumière juste en face qui m'allume. On a laissé les filles avec Tata et Tonton. Oui! Voilà, bon. Romy, genre, elle a chouiné un peu quand on a fermé la porte. J'ai envoyé un message à Soso, elle m'a dit dès que vous êtes parti, il n'y a plus rien. Voilà, donc ça, c'était pour un peu nous faire culpabiliser. C'est ça. Voilà, voilà. Donc là, elles sont avec Tata et Tonton. Soso m'a dit qu'ils allaient chercher des poulets panés, je sais pas quoi. Bref, du poulet pané. Non, oui, du poulet pané. Ah, c'est pas mal ça. Avec des sticks de mozza. Enfin bref, j'aurais dit ok. Ok, ok. Et là, nous, on attend un petit peu parce qu'on on est parti là plus tôt. Et puis, on a trouvé une place très vite pour une fois. On a fui. On est parti un peu tôt. On a pris rendez-vous à 20h. Mais bon, si on arrive un peu avant, c'est pas un souci, hein. Donc on va se faire le... Au Jura médian. Qui est sur... Biarritz, Bayonne. Je sais jamais, j'inverse tout. On va y arriver. Pardon, j'inverse. On est fatigué. Dans les deux. voilà, donc petit resto qui a connotation Jura et Bayonne. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça. On a vu des stories sur leur Instagram. Ça donnait très envie quand même. Donc, on a hâte de voir tout ça. Voilà, petite soirée en amoureux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait ça. Grave. Ça fait longtemps. On est même perturbés. On se dit, oh, le... Il m'a dit quand même, tu veux que je prenne le sac à manger pour faire style? Bah non. Non, pourquoi? Pourquoi? Enfin, voilà. Et sinon, on regardait pour... donc, on remonte mercredi. Mercredi soir, on fait une petite halte sur Clermont-Ferrand pour aller faire un bisou et manger avec Manon et Vincent. Et en fait, on regardait pour monter un petit peu plus haut que Bordeaux, manger dans un petit resto que j'ai vu là, et après redescendre chez Manon. Mais ça nous rajoute un petit peu de route. Bon, Renaud me dit, oh, c'est pas grave. Oui, mais moi aussi. Sur une dizaine d'heures de route, je pense qu'on est pour ça après. Bah, 10 heures de route, abuse pas quand même, on en a pour 8 heures. Sans pause. Ouais. Voilà, clairement, on part pour toute la journée de route, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est le 1er novembre, donc c'est férié. Qu'on soit dans la voiture ou pas, ouais. Enfin bref. Donc voilà, donc on verra. Je vous en reparlerai de ce resto parce qu'en fait, j'ai vu passer un réel sur Instagram et je me suis dit, tiens, je regarde l'adresse. Et je dis, mais c'est pas très loin de Bordeaux.
Et si on faisait un petit crochet par... On est dans le coin, donc autant... En fait, c'est un resto qui est tenu par des mamies. C'est vraiment comme ça qu'ils le présentent. Hein. C'est pas du tout péjoratif et tout. Hein. Et en fait, donc t'as un apéro, t'as deux entrées, un plat, le fromage, le dessert. Enfin, comme quand t'allais chez ta grand-mère et qu'elle te faisait à manger pour 15 jours. Voilà, moi je sais que chez ma mamie, quand on va y manger, généralement, on en a pour un moment. Toi aussi, c'était comme ça. Oui. Voilà, donc bon. C'est sympa. Donc voilà, donc on verra si on y va. Mais moi, j'aimerais bien quand même. C'est, ça nous ferait peut-être partir un petit peu tôt le mercredi, mais bon... Moi, je te fais confiance, mon amour. Tu me fais confiance pourquoi? Pour le resto. Il y a une lumière dans l'église qui clignote? Là-haut? Oui, il y a une lumière dans l'église qui clignote. C'est pas... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas quoi, j'ai rien dit. C'est la sortie de secours. C'est, ouais, c'est la sortie de secours. bref, donc voilà. C'est la pluie sur mon visage. Je dirais que ouais, je suis léopard. Tu pleures. Regarde. Hein? Bah tu le vois sur mon visage directement, ah, et oui, toi là. Aussi c'est pareil, hein. Je te rassure. Bon, est-ce qu'on n'irait pas? Ouais, doucement. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fini de colorier la première partie de mon cahier, elle est trop belle. Ouais, j'ai hésité, hein. Franchement j'ai hésité à certains trucs, est-ce que je mets du noir et tout. Kali me dit, mais maman, mais pas du noir. J'y sais, à petite touche. Et franchement, il est vraiment pas mal. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. On a bossé un petit peu avec Doudou et Soso sur le planning. On a bien bossé. On a même bien bossé. Ouais. On a fini la structure, parce qu'on l'avait déjà commencé. On a pris un petit peu d'agence. Mais on a fait des tests au niveau de la couleur pour que ça ressorte bien, mais pas trop quand même, parce qu'il faut pouvoir. Comme un vieux tableau dégueu. Ouais, non, mais c'est ça. Mais il faut pouvoir écrire dessus et que le stylo se voit. Voilà. On aurait dû y aller avant. Parce que là, j'ai l'impression que la pluie... J'ai arrêté les essuie-glaces. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Ah. Mais ça s'était calmé un petit peu, la pluie, non? Je sais pas. Et sinon, eh bien, demain, on sait pas ce qu'on fait. Doudou est en télétravail. Mais Soso et Steven sont en vacances. Donc, on va voir ce qu'on fait. Je suis puni. Ouais. Donc, on verra ce qu'on fait. Si... Je sais pas ce qu'on fait. Surprise. Surprise, surprise. Je sais pas quel temps il fait. Là, ce matin, on a eu de la chance. On a pu aller en bord de mer, aller se promener au vide-grenier et tout. Mais là, ce soir, c'est la cata. Et je crois que demain... Il y a plus de météo dans ce film. Je crois que demain, il pleut. Météo, ici. Aujourd'hui, il pleut. C'est pourri. Demain... demain... ça s'éclaircit et gros soleil tout l'après-midi. Alors écoute, il pleut toute la matinée et il fait super beau toute l'après-midi. Mais c'est un truc de fou comme ça change. Ici, c'est. Non mais le matin. Et ça sèche vite en plus, hein. Bah oui, mais le matin, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Enfin, bon, on verra bien. On verra. Bon, allez, on y va. Hein. Ouais, on va aller. On va se péter la panse. Doudou, il a pris une escalope de foie gras avec des figues et de la pomme. Elle a l'air extraordinaire. Purée. Et moi, j'ai pris des petits croustillants de chèvre. On va se régaler. Je l'ai. Là, on est sur l'incontournable saucisse de Morteau. Ce qui est rien du tout, avec de la coquillotte, des patates, et puis la petite salade qui va avec. Miam miam. Allez, petite morbiflette pour maman. Avec un petit peu de salade. C'est bon, mon petit chat. Ouais, regardez ça. Oh là là, regarde. Moi, j'ai fait très light avec un petit sorbet. Oh, petite joueuse. Et tu as Renaud qui prend un soufflé. Glacé. Au Mar du Jura. À la guillotine. Au grillotine et Mar du Jura. Voilà. On va rouler. On roule après ça. On est rentré en roulant. On a très bien mangé. Le resto, il s'appelle Au Jura. De Cap Breton. Mandia. Non, pas de Cap Breton. Kali n'est pas couchée encore, c'est la dernière. On va bientôt y aller. On a très bien mangé. La Doudou, il est en train de me faire une petite verveine parce que. Ouais. Sinon, je voulais vous montrer mon œuvre d'art.
Regardez comme c'est, il est magnifique. Une pépite. Une pépite, merci Camille. Il est trop trop beau. J'adore les couleurs. Toi, c'est toi qui l'as fait. Oui, mais écoute, mais. Toi aussi, tu trouves qu'elle se vante. Non, mais pas du tout, je me vante. J'aime ce que je fais et je le dis. Voilà, il y a un problème. Non, mais vraiment, il est très très beau. C'est-à-dire que ce genre de truc, tu peux pas te louper en fait. Oui, j'ai fait la petite fleur sur le côté. Il me reste celui de derrière à faire. Mais ce genre de truc, tu peux pas te louper parce que tu peux pas effacer. Donc, tu vois, t'as intérêt d'aimer, quoi, les couleurs. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Moi, j'aimerais bien continuer. Ben, on continuera demain, chérie. Aujourd'hui, parce que là, c'est pas couché. Oui, mais tu vas y aller te coucher. Mais il est pas minuit, hein, Camille, à moins de là. Hein. Ok, j'ai envie d'aller me coucher à minuit. Non, 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 tu vas aller te coucher là. Parce qu'à minuit, vous serez déjà couché, vous. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr, mon amour. Oh, regarde, tata elle est à fond dans les dessins. Tata, je vais avoir besoin de tes talents de dessinatrice pour d'autres choses plus tard. T'as eu d'autres envies là ? Dans quelques mois. Non, mais j'aimerais beaucoup imprimer mon tissu. Ah. Et en fait, il faudrait que je te fasse des... C'est ça. J'ai des idées en tête et c'est toi la dessinatrice donc. Je vais commencer à te facturer très cher. Ça va me coûter cher, ces conneries. Non, mais parce que si j'arrête de bosser, il va bien falloir que je fasse Ah, mais non, mais non. Ah ouais, non, mais bien. Que je paye mon loyer. Hein. Oui, mais c'est dû à côté pour le moment. Ah. Ça va me coûter cher celle-là. Là. Mais la chante pas cette chanson. Elle est en train de chanter la chanson qu'on voit beaucoup sur TikTok. Jean-Marie, non, son mari, Jean-Marie, avec chauffeur de taxi avec un sac banane. Et aussi, il y avait un truc à la fin, c'est. Je sais plus. Bah, dis-le. Mais je sais pas. Bah, moi, je sais. Je vais demander à Gabriella. Ah oui, mais elle est pas là, Gabriella. Vas-y, chante. C'est Jean-Marie et chauffeur de taxi. Et je sais plus, voilà. Ah, viens, on l'écoute et après tu la chantes. Ok. C'est quoi l'auteur de ta poésie? Enbo Karine. Corinne. Corinne Albo. Super. Aïe. Bien joué ça. Corinne Albo. Oh, regardez, m'amène ma petite verveine. Non, c'est pour moi. À toi, vas-y. Jean-Marie est chauffeur de taxi. Mais avant. J'en sais rien. Non, écoute-moi. Joanne est une femme avec un sac banane. Jean-Marie, son mari, est chauffeur de taxi. Joanne est une femme avec un sac banane. Jean-Marie, chauffeur. Son mari. Et chauffeur de taxi. Allez, sur ces bonnes paroles, on va se boire notre petite verveine avec Soso et on va aller se coucher. Oui. Toi, tu vas être couchée, toi, la petite, là. Non, toi, tu vas être couchée. Si, tu vas y aller. Il est tard, là, déjà. Joanne est une femme avec un sac banane. Son mari, Jean-Marie, est chauffeur de taxi. Voilà, si vous ne l'avez pas dans la tête... C'est maintenant. Et voilà. Ne me remerciez pas. Parce que c'est notre projet. Hein? Joanne est une femme avec un sac banane. Jean-Marie est chauffeur de taxi. Allez, et on vous abandonne. Il y avait la fin et je m'en rappelle plus. Mais on va la trouver. Joanne à demain. Est une femme avec un sac banane. Jean-Marie est chauffeur de taxi. À demain. Ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas. Oh là là. C'est vraiment biflette, ça. J'en peux plus, moi. Je sais pas comment je vais monter les escaliers, là. Tu vas me porter. Je vais te lever, mon chat. Tu vas me porter. Il va te lever. Non, tu vas me porter. Il est pas convaincu. Non.